Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne du Magisterium. Aujourd'hui, la rubrique littéraire de ce jour est dédiée à Oberon Zell-Ravenheart. Oberon Zell-Ravenheart, ou Timothy Zell, de son nom de baptême, est un Américain. Il est né à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1942. Il est âgé de 78 ans. Il est écrivain, magicien, chaman et théologien. Il pratique et enseigne la magie païenne depuis une quarantaine d'années. Il donne des conférences, des interviews dans la presse et même à la télévision. C'est un personnage atypique. Il ressemble à un magicien de Disney. Mais malgré son apparence folklorique, il n'en est pas moins un vrai magicien et ses connaissances dans bien des domaines sont excellentes. Son premier livre s'intitule « Grimoire de l'apprenti sorcier ». Ce grimoire s'adresse principalement aux plus jeunes, à partir d'une dizaine d'années, et peut-être un peu moins, pour des enfants accompagnés d'un parent qui aurait déjà des bases en magie, et aussi aux adolescents, car il contient de bonnes bases pas trop complexes pour commencer. Il sera un peu l'équivalent du traité méthodique de magie pratique de Papus, mais dans une version allégée pour les plus jeunes et les débutants. Dans cet ouvrage, vous y trouverez des glossaires. Alors, qu'est-ce qu'un glossaire ? C'est un petit dictionnaire des termes et des mots, tout simplement. Vous y trouverez aussi de nombreuses tables de correspondance, des règles et des lois de base en magie. Diverses tâches et quêtes à réaliser, un chapitre sur la nature et comment réaliser un campement en pleine nature, comment reconnaître les arbres d'après leur feuillage, un paragraphe sur comment survivre dans les bois, un autre sur le jardinage, notamment avec la lune et les plantes magiques, une méthode assez basique pour fabriquer une baguette magique. D'ailleurs, je ferai une émission à venir sur ce sujet. Page 160, les livres de magie et vos grimoires. Les grimoires feront aussi l'objet d'un prochain cours. Vous pouvez faire l'achat d'un grimoire vierge pour une vingtaine d'euros chez Amazon, Esoterium, etc. Il en existe de très sympas, avec des couvertures en cuir, avec un lassage sur la tranche, avec des motifs gravés sur la couverture, etc. N'oubliez pas des cahiers de brouillon, le cahier des maquettes, le crayon papier, les crayons de couleur, un taille-crayon, une gomme et une petite trousse. Ce matériel ne devra servir qu'à l'usage de la magie. Pourquoi plusieurs cahiers de brouillon ? Parce que vous allez consigner des travaux différents, comme vos rites et rituels, la magie verte, la préparation personnelle en magie. Exemple, pour le cahier des rites et des rituels, vous y consignerez le nom de vos rites, la date, l'heure, la position de la lune, la planète dominante de votre rite, le matériel utilisé, le protocole de vos rites, et les notes que vous prendrez pour vos résultats. Pour le cahier de magie verte, vous y consignerez ce que vous planterez, la date de vos plantations, de vos récoltes, les vertus de vos plantes, etc. Pour le cahier de préparation personnelle, vous y consignerez les protocoles de vos exercices, date et heure, la position lunaire, vos progrès et vos notes. Pour le cahier des maquettes, alors là, trouvez-en un qui est la même dimension, le même format que votre grimoire. Comme son nom l'indique, ce cahier est fait pour recopier votre travail et de le mettre en forme avec vos enluminures, vos dessins et vos écrits. Cela doit être fait avec plume, encre et peinture si vous en utilisez. Il sert à reproduire vos travaux avant de le faire sur votre grimoire de façon définitive. Il vous permet de voir ce que va donner votre travail sur votre grimoire et si vous faites une erreur dans la rédaction de vos textes ou que vous avez mal calculé la place de vos enluminures ou la disposition de vos dessins, il vous suffira de tourner la page et de recommencer en y apportant les corrections voulues avant de le recopier de façon définitive sur votre grimoire. Voilà, nous voilà arrivés aux encres et aux plumes. Vous les trouverez chez lecalligraphe.com. Vous y trouverez des encres ferriques, minérales, végétales, diverses sortes de parchemins, des plumes, de la peinture, etc. Petit conseil,
entraînez-vous à écrire avec les plumes, les supports et avec les encres avant d'attaquer votre cahier des maquettes ou votre grimoire, car elles n'ont pas toutes la même fluidité ou le même temps de séchage. Et cela dépendra aussi du support et des plumes que vous utiliserez. J'en viens maintenant aux alphabets et langages magiques. Page 216. Vous trouverez quelques exemples d'alphabets magiques. Vous pouvez en trouver sur d'autres grimoires. Choisissez des symboles simples à reproduire pour faciliter votre écriture. Des caractères trop compliqués à reproduire vont vite vous lasser. Je vous conseille de créer votre propre alphabet magique pour éviter les indiscrétions des curieux ou de ceux qui pourraient vous dérober votre travail. Faites votre propre alphabet magique vous-même, soit en créant vos propres symboles ou en les prenant sur d'autres grimoires. Faites un mélange et faites en sorte que les symboles trouvés ne se rapportent plus aux mêmes lettres des alphabets que vous avez pris sur ces grimoires. Par exemple, le symbole représentant la lettre F deviendra le symbole de la lettre O, etc. Faites aussi un symbole pour les sons, tels que le son OU, le son ON, le son AN. Ces sons s'écrivent avec deux lettres. Ils seront remplacés dans votre alphabet par un symbole unique, ce qui apportera une complication supplémentaire à qui voudrait décoder votre langage magique. Pour apprendre facilement votre alphabet, écrivez vos symboles dans l'ordre alphabétique sur la première page d'un carnet de notes que vous utiliserez chaque jour pour écrire en alphabet magique vos courses, vos rendez-vous, etc. De cette façon, vous assimilerez très rapidement votre alphabet. Pour le travail en groupe, créez avec vos partenaires un alphabet que seuls vous et les membres de votre assemblée pourront lire. Ceci, toujours pour garder vos écrits confidentiels. Une fois que vous aurez parfaitement mémorisé votre alphabet, recopiez-le dans l'ordre alphabétique avec éventuellement celui de votre assemblée dans un de vos cahiers de brouillon. Ne mettez pas en dessous l'alphabet standard. Le fait que vous sachiez que votre alphabet est dans l'ordre alphabétique vous suffira à retrouver un symbole oublié et il restera masqué aux yeux des profanes. Il est fortement conseillé de détruire votre carnet de notes une fois que vous aurez parfaitement assimilé ce ou ces langages magiques et ils ne devront pas être utilisés une fois appris pour un autre usage que celui de vos écrits magiques. Page 163. Les habits et tenues de magie. Vous pourrez vous procurer sur certains sites médiévaux des habits appropriés pour enfants et pour adultes, pour hommes comme pour femmes, tels que des tuniques, des ceintures, des capes, du matériel pour compléter vos habits qui conviendra très bien pour vos tenues de magie. Je vous laisserai dans le générique de fin les adresses où vous pourrez vous procurer vos fournitures et habits. Vous avez aussi dans ce grimoire quelques rites, quelques invocations, quelques sortilèges basiques, les grandes fêtes de l'année, les planètes et leurs vertus. Au chapitre 5, vous y trouverez la méditation, les chakras, la visualisation, l'astral, les techniques de guérison, l'herboristerie, les diverses approches des formes de divination et de voyance, sur lesquelles je ferai bientôt des cours. Page 382, un chapitre sur les animaux, un cours sur l'astronomie, quelques notions de mathématiques en magie. Page 415, un petit cours sur la cabale. En page 426, quelques notions sur les arts noirs. Là, rien de très conséquent, juste quelques explications sur ce que sont les arts noirs. Vous trouverez aussi les diverses divinités, les démons, les anges, les lutins, les fées, les gobelins, etc. En page 476, un bestiaire sur les créatures magiques. Alors, un bestiaire est un petit traité, un recueil imagé ayant trait aux animaux. Par exemple, pour les créatures magiques, je citerai le basilic, le griffon, la licorne, le dragon, etc. Et en fin d'ouvrage,
un chapitre sur les mages, sorciers et enchanteurs célèbres. Voilà pour l'essentiel du livre. Maintenant, je vais passer aux erreurs que j'ai repérées et aux mises en garde pour les plus jeunes. Pour les erreurs que j'ai repérées. Page 37. Créez votre hôtel. Ne faites jamais votre hôtel sur un téléviseur, sur le meuble de la chenille-fille ou sur un congélateur, ou près de ce genre d'appareil. Car ces appareils génèrent des champs électromagnétiques. De plus, les téléviseurs comme les chenille-filles sont des récepteurs. Ils sont bourrés d'éléments électroniques qui, en plus de générer des champs électromagnétiques, vont aussi se charger des énergies de vos rituels et de vos invocations. Ce sont des portes qui peuvent laisser passer n'importe quoi, surtout les vieux téléviseurs à écran cathodique en verre. Tous ceux qui se rappellent du film Poltergeist de 1982 peuvent avoir une idée de ce que je dis ici. Bien que ce ne soit qu'un film, le principe est juste, et tous ceux qui travaillent avec des miroirs magiques, notamment en invocation, savent de quoi je parle. Il vaut mieux trouver deux tréteaux en bois à 5 € pièce et une grande planche en contreplaqué recouverte d'un tissu en coton ou en lin pour faire votre hôtel. Page 61, le bouclier. Un peu léger à mon goût, il vaut mieux utiliser le principe de la chaîne magique. Alors, qu'est-ce que la chaîne magique ? La chaîne magique est un lien entre le mage et des entités protectrices. Cela peut être des anges, des grands maîtres de la magie d'autrefois, ou d'autres entités protectrices. On réalisera la chaîne par des invocations pour demander à être protégé et guidé en magie sur le chemin que l'on a choisi. J'en parlerai davantage dans un prochain cours. Page 154. Le pentacle, qui est en fait le grand pentagramme, sur lequel on viendra placer les sceaux planétaires et autres. Dans son grimoire, sa façon de le faire est fausse, pour plusieurs raisons. Premièrement, le traçage du grand pentagramme est particulier et requiert certaines règles pour le tracer, le graver ou le peindre. Il ne doit pas y avoir de sigil ou autre symbole tracé, peint ou gravé dessus. Il doit rester neutre. Et c'est les sceaux, les clés et autres signatures que l'on accrochera dessus qui déterminera son action lors des rites et des rituels. Petite remarque. Pour ce qui est des gravures, ne gravez jamais ce que vous ne connaissez pas sur vos outils et autres objets de magie. Je prends, pour exemple, une baguette magique dédiée aux affaires sentimentales. Si vous gravez simplement des symboles que vous ne connaissez pas parce qu'ils vous plaisent, vous risquez de graver sur votre baguette la signature d'une entité hostile ou maléfique ou des sigils martiens dédiés à la guerre et à la destruction. C'est comme si vous vouliez boire une tasse de thé et que vous y mettiez à la fois du lait et du citron. Vous obtiendrez une soupe imbuvable. C'est ce qui se passera quand vous allez activer par rituel et invocation votre baguette. Pour simplifier de façon schématique, elle va donc être reliée avec le rituel adéquat à Vénus et ses entités, mais aussi par les mauvais sigils gravés dessus, et avec ce même rituel qui là ne convient pas, à d'autres forces antagoniques. Je vous laisse deviner ce que vous obtiendrez comme résultat. Page 162. La boule de cristal. N'utilisez pas de boule en plastique, matière chimique amorphe, qui fera un bien piètre support de voyance. Préférez à ça une boule en verre, ou mieux encore en cristal de roche, qui vous donnera par ses vertus de bien meilleurs résultats et que vous pourrez programmer avec votre pendule. Et quand vous ne l'utiliserez pas, couvrez-la avec une étoffe noire, ou mieux encore, rangez-la dans une boîte à l'abri des indiscrets. Ne l'exposez pas au soleil, mais plutôt à la clarté de la lune. Si vous achetez une boule en cristal de roche, prenez-la avec un léger voile, car plus un cristal est pur, plus il est difficile de travailler avec. Page 228. On clôture un rite ou un rituel, mais on ne l'ancre pas. L'ancrage concerne le magiste et son autel ou son occultum. Nous verrons ça dans les cours à venir. Page 361. Nous avons un chapitre sur l'illusionnisme.
Je ne trouve pas qu'il soit bon de mélanger la vraie magie avec des tours de passe-passe. Mais ça, c'est Oberon et son côté gamin qui ressort. Les mises en garde pour les plus jeunes et éventuellement pour les autres. Je commencerai par le pot à feu, page 108. Là, il y a vraiment un danger à considérer, pour les plus jeunes et même pour les plus grands. Surtout avec l'alcool, car les risques d'incendie et de brûlure s'avèrent sérieux. Pour ceux qui décideraient de le faire tout de même, je préconise de vous procurer un petit chaudron en fonte avec un couvercle. Assurez-vous que son épaisseur est suffisante et régulière, et qu'il n'est ni fondu ni percé. Évitez de faire un pot à feu avec toute matière susceptible d'éclater avec la chaleur. Pour minimiser les risques d'incendie, la fumée et les odeurs de ce que vous allez y brûler, ne l'utilisez qu'à l'extérieur de chez vous. Prévoyez un endroit stable pour le poser et suffisamment dégagé de toute matière inflammable. Les bougies. Pour les plus jeunes, utilisez des bougies à LED avec une télécommande pour sélectionner les couleurs. Ce qui permettra aux plus jeunes aspirants magiciens de faire leur apprentissage et leur petit rituel sans risque. Et pour ceux d'entre vous qui vont utiliser de vraies bougies, je vous conseille dans un premier temps de vous procurer des bougies de couleur au supermarché. Même si elles ne sont pas teintées dans la masse, elles feront parfaitement affaire. Ce sont des bougies blanches, donc universelles, recouvertes d'un vernis coloré, ce qui leur donne leur orientation. Bien que moins précises ou moins puissantes que des bougies teintées dans la masse, elles seront mieux adaptées aux débutants ou pour des cérémonies dites symboliques. J'en utilise depuis des années sans problème. En ce qui concerne les bougeoirs, donnez votre préférence à des bougeoirs simples, en forme de petites coupes, en verre incolore qui sont parfaitement neutres. Pour les encensoirs à charbon et les encens spécifiques, je recommande à la place pour les plus jeunes d'utiliser des encens en baguette ou en bâtonnet, qu'un adulte allumera pour eux. Maintenant j'en viens aux atamés. Alors qu'est-ce qu'un atamé? C'est un couteau, une dague ou encore un poignard. Il en existe plusieurs sortes, selon la fonction qui leur est destinée. Notamment, l'atamé à manche noir ou blanc, l'atamé en bois, l'atamé à lame de cuivre ou de fer, ou l'atamé en pierre, tel que l'obsidienne ou le cristal de roche. De ce fait, il est recommandé aux plus jeunes de n'utiliser cet outil que sous la surveillance d'un initiateur. Page 222. Le talisman pour les trésors. Selon une version du grimoire d'Honorius. Attention, cela concerne les pactes et la démonologie. Il est fortement déconseillé aux débutants d'utiliser ce talisman. Car d'une part, il ne fonctionnera pas sans le vrai rituel complet. Et si vous l'activez avec un pendule ou avec un rituel inadéquat, cela pourrait se retourner contre vous. En règle générale, n'utilisez jamais des sceaux, des signatures, des talismans sans savoir exactement à quelle entité ils sont rattachés. Page 375, on passe maintenant à l'alchimie. Attention, malgré les quelques règles et conseils de ce grimoire, je déconseillerais vivement aux novices, sans être accompagné d'une personne compétente et du matériel de protection adéquate, de pratiquer des expériences alchimiques. L'usage de produits chimiques et de métaux tels que le plomb et pire encore, le vif argent, autrement dit le mercure, sont très nocifs pour la santé. Ces métaux, quand ils sont chauffés, notamment pour le mercure, dégagent des émanations qui sont facilement assimilables par l'organisme et qui sont extrêmement toxiques.
mon avis et conseil. Comme je l'ai dit, je pourrais comparer ce grimoire au traité de magie pratique de Papus, mais destiné aux plus jeunes. Bien que son contenu puisse aussi s'adresser à des adolescents ou à des adultes. Il est globalement bien fait et aborde beaucoup de sujets. Il est facilement compréhensible et donne des bases et une bonne idée générale de la magie. Vous pouvez vous le procurer neuf pour une trentaine d'euros, ou d'occasion sur des sites comme eBay ou autres. Si vous décidez de l'acheter d'occasion, vérifiez bien qu'il soit en français et que son état général soit bon, sans qu'il n'y ait de surlignage au feutre ou de crayonnage dessus. Le second grimoire d'Oberon est le compagnon de l'apprenti sorcier. Il est dans la même lignée que le grimoire de l'apprenti sorcier. Il est tout aussi bien que celui-ci, et il fera l'objet d'une prochaine présentation. Voilà, ce sera tout pour cette première rubrique littéraire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Au revoir et à bientôt. Thank you.